Bonjour à tous dans Critique Ciné, ancienne version numéro 12. Et je vais commencer directement avec l'énumération des films que vous retrouverez dans cette présente vidéo. Le premier film est Moi, Daniel Black. Il est classé au genre drame psychologique. Le second film est Ma vie de chat. Il est classé au genre comédie fantastique. Le troisième film est Unfriended, je ne sais pas comment on le dit vraiment. Il est classé en genre fantastique. Le quatrième film est Ir. Il est classé en genre psychologique, dramatique. Anticipation, peut-être. Le cinquième film est Le goût des merveilles. Il est classé en genre psychologique, dramatique, comédie. Le sixième film est Paris, je t'aime. Et c'est un film de court-métrage. Donc du coup, il est sur différentes thématiques qui concernent Paris. Le septième film est Demain tout commence. Il est classé en genre comédie dramatique psychologique. Le huitième film est Swiss Army Man. Il est classé dans le genre est-ce qu'il y a vraiment un genre pour ce genre de film? Inclassable, à mon sens, même quand j'en parlerai, ce sera très compliqué d'en parler. Fantastique, sans doute, j'imagine. Le neuvième film est The Truman Show. Il est classé en genre fantastique. Psychologique, drame, comédie, anticipation. Et le dixième film, enfin, est Divine. Il est classé en genre drame, psychologique, action, en quelque sorte. Voilà pour l'énumération de la critique ciné ancienne version numéro 12. Et si tout se va bien, à demain pour la critique ciné ancienne version numéro 13. J'espère qu'elle ne me portera pas malchance. Merci à vous et à bientôt. Le premier film est Moi, Daniel Black. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Daniel Black, qui est donc un menuisier anglais de 59 ans, qui va être contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Il va avoir des problèmes de santé, et donc pour la première fois de sa vie, il va devoir demander de l'aide, en quelque sorte. Son médecin lui interdit de travailler, et cependant, ou néanmoins, il se voit quand même l'obligation de rechercher une offre d'emploi. Alors évidemment, un autre emploi, quelque chose de moins dur, mais... Il a un truc où il va qui s'appelle le Job Center, qui est sans doute un peu similaire à la NPE. On lui dit, si vous ne recherchez pas un petit emploi, eh bien, on va vous donner des sanctions. Et je pense que la sanction, c'est de couper son loyer, tout simplement. Enfin, pas de couper son loyer, mais en tout cas de couper ses revenus. Alors Daniel va aller au Job Center régulièrement. Et puis, de toute façon, il veut retrouver quelque chose, mais adapté à ce qu'il peut faire. Là, sur place, il va rencontrer une jeune femme, qui se nomme Cathy, qui est une mère célibataire de deux enfants, et qui, elle, a été contrainte d'accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placé en foyer d'accueil. Et comme ça, on va rencontrer toute une galerie de personnages plus ou moins paumés dans un système administratif que, en France, quelque part, pour le moment, on ne comprend pas vraiment. Et on va voir les aberrations du système. On va comprendre, au jour le jour, comment ces gens se démènent avec la vie et comment ils font pour survivre, tout simplement, que ce soit cette jeune femme avec ses deux enfants, ou même Daniel Black à qui on dit que quelque part il ne doit pas travailler, mais que l'administration lui demande quand même de le faire. Ce film va parler un petit peu de tout ça, et il est plutôt noir, c'est plutôt une satire de la société donc anglaise, j'imagine, je crois que le film est anglais, et qu'il a été la Palme d'Or au Festival de Cannes 2016, et c'était largement mérité. Et je vais donc donner ma conclusion. Moi, Daniel Black est un film noir, qui laisse peu de place à l'optimisme, qui démontre l'inhumanité des structures sociales et qui en même temps montre aussi le courage et la détermination de ceux qui en sont les victimes. Le prochain film est dans un registre beaucoup plus drôle et ce film c'est Ma vie de chat. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Tom Brandt qui est un milliardaire qui a consacré sa vie et son travail à sa réussite. Donc en gros, la vie de famille pour lui, c'était pas le plus important, il a tendance à la mettre un petit peu de côté. Il a mis de côté sa femme Lara, il a mis de côté son adorable fille Rebecca. Et pour l'anniversaire de sa dernière, parce qu'il veut faire quand même une bonne action, Tom n'a pas d'autre choix que lui offrir ce qu'elle veut depuis toujours, et ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est-à-dire un chat.
Et donc, il va se rendre dans une espèce de petite maison, dans une ruelle, qui me rappelle un petit peu la boutique du vieux chinois dans les Gremlins. Une boutique un peu comme ça, cachée de tout. Il va rentrer, il va prendre un chat, il va tomber sur un commerçant justement un peu inhabituel, qui va lui poser des questions, il va comprendre que cet homme n'aime pas les chats, il va comprendre qu'il a assez peu d'humanité en lui. Et lorsqu'il va prendre un chat, en l'occurrence celui qu'il aura choisi pour sa fille, il va se passer un phénomène complètement inexplicable, il faut bien le dire, et on bascule dans le registre du fantastique. C'est-à-dire que pour lui faire comprendre quelle vie peut avoir un chat, pour lui faire comprendre à quel point il a pu parfois être, je dirais pas inhumain, mais être sans empathie envers eux, combien à quel point il est de toute façon détestable un petit peu avec tout le monde, eh bien il va se retrouver réincarné en chat. Évidemment, commence pour lui une toute nouvelle vie. Il va devoir retrouver sa place en tant que chat pour faire comprendre qui il est réellement, quoi. Évidemment, lorsqu'il va aller vers ses enfants, ils verront un chat, mais lui, il s'exprimera, donc on l'entendra par la voix off. Ce sera un chat qui communique, du coup. Et c'est ça qui va être très drôle, c'est qu'on va l'entendre parler, on va l'entendre jurer, on va l'entendre se maudire de sa situation. Et j'ai bien aimé cette comédie. C'était agréable, la thématique est quand même plutôt inhabituelle. L'acteur, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Kevin Spacey. Et c'est agréable, Ma vie de chat, c'est pas un grand film, mais ça cesse bien regarder. C'est fun, c'est cool, c'est dynamique. Donc je crois que je vais pouvoir passer à ma conclusion, parce que finalement j'ai dit l'essentiel. C'est l'histoire d'un homme relativement aigri, qui, suite à un élément un peu magique, va se retrouver réincarné en ce qu'il aime peut-être le moins, c'est-à-dire un greffier. Lui dirait pas un chat, hein. Il dirait que c'est un greffier. Et dans cette situation, il va devoir apprendre peut-être à comprendre mieux ces animaux-là, et à mieux comprendre leur humanité, et à mieux comprendre aussi peut-être la relation qu'ont les humains, qui aiment les animaux, avec leurs animaux domestiques. Et donc de mieux comprendre sa fille à l'égard des animaux et sa relation père-fille. Et je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, Ma vie de chat est une comédie sympa, une comédie familiale, vous pouvez la regarder avec vos enfants, il n'y a pas de problème. Avec Kevin Spacey dans un rôle totalement inhabituel. Des effets spéciaux pas nécessairement incroyables, mais qui donnent au tout un cachet et une patte, de chat bien entendu, délicieusement divertissante. Le prochain film est Une Fry and Dud ou Nous ne sommes pas amis, je crois que ça va être à peu près ça le titre en français et il m'est plus simple. De quoi ça parle? Ça parle de six amis, six étudiants qui se connectent le soir sur Skype, ils se parlent régulièrement, ils sont habitués à chatter, donc on aura le droit aux bonnes blagues, on aura le droit un petit peu à tout cet humour potache. Et puis ce soir-là, il y a une septième personne qui se connecte avec un pseudo et ils ne la connaissent absolument pas. Donc ils vont commencer à parler avec elle, ils vont dire, tiens, il y a quelqu'un qui est connecté, qui c'est? Vous le connaissez? Non, personne ne le connaît. Et progressivement, cette septième personne va commencer à parler, à poser des questions et à se montrer relativement inquiétante pour finalement menacer les six amis. Ils vont comprendre que cette septième personne, bien que ce ne soit pas du tout rationnel, est possiblement, ou elle le laisse penser, une jeune lycéenne qui serait suicidée après qu'elle ait lu une vidéo compromettante qui est circulée sur le net. Ce qu'on appelle par exemple les revenge porn ou autre. Il y a une vidéo comme ça qui a circulé. Une jeune femme s'est suicidée et tout laisse à penser à ces jeunes que, eh bien, il est possible qu'ils soient en contact avec cette jeune femme. Et ce qui est intéressant dans ce film, et c'est peut-être, il faut le dire, le seul vrai aspect intéressant de ce film, c'est que comme à l'époque, il y a eu des films caméra à l'épaule qui ont été lancés peut-être avec le projet Blair Witch qu'on a retrouvé après dans d'autres films, moi j'ai un peu de mal, ou même Record, qui lui pour le coup était très bon. Eh bien, c'est un nouveau concept où finalement on va voir tout ce qui se déroule au travers des écrans. Encore une fois, bienvenue dans Black Mirror. On va voir par Skype, on va voir par le téléphone du portable, on va voir comme ça. Et les interactions qu'on verra, si par exemple il y a des bruits dans la maison et qu'on voit la porte, je ne crois pas qu'on verra réellement la porte. On la verra par le prisme d'une caméra. La personne va aller avec sa caméra filmer. Ou bien on verra des choses dans le retour de la caméra de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, et c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien mené. C'est un film qui se passe comme ça, dans ce contexte, où il y a des écrans un peu partout. Et très récemment, il y a un film qui a plutôt bien marché, que j'ai vu, que j'ai pas apprécié tant que ça, qui s'appelle Searching,
un film qui doit être japonais-coréen, en tout cas les acteurs sont japonais-coréens, a priori. Et je pense que j'ai pas aimé ce film, tout simplement, parce que je l'avais déjà vécu avec une Fry and Dead. C'est un petit peu le même délire, le même concept, c'est un père qui perd sa fille, et puis par le biais d'écran interposé, eh bien, il va être en contact avec les forces de police, il va être en contact avec des amis de sa fille, et tout ça, j'avais déjà connu. Alors certes, c'est pas du tout sur la même thématique, hein. Une Fry and Dead, c'est un film fantastique, horreur, alors que Searching, c'est un film thriller, psychologique, dramatique. Mais c'est un petit peu la même chose quand même, à mon sens. On pourrait parler aussi du budget qui n'est sans doute pas le même. En tout cas, pour une première offre comme ça, c'était intéressant. Maintenant, j'ai pas envie de voir le 2, j'ai pas envie de voir le 3, j'ai pas envie de voir des tonnes de films comme ça. C'était intéressant en one shot, c'est-à-dire, ok, c'est un concept nouveau, et ça l'était. Et ça reste à ce niveau-là une expérience intéressante, mais pas un film incroyable non plus. Et je vais donner ma conclusion. Sur un format inhabituel, une Fry and Dead arrive malgré tout à donner un côté rafraîchissant au cinéma fantastique, sans pour autant véritablement changer les codes. Mais en utilisant avec brio les mêmes codes de cette dite modernité et de nos mondes interconnectés. Le prochain film est Here, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un futur peut-être pas si lointain, ou peut-être même très proche. Dans Los Angeles, ça pourrait être un petit peu n'importe où finalement. Et on va rencontrer un homme qui se nomme Théodore Wombly, ou Twombly, qui est un homme sensible, qui a beaucoup de mal à se remettre d'une liaison. Il est du coup dans une espèce d'état mélancolique permanent. Il va pas très bien, il a du mal à oublier ce grand amour qu'il a eu. Et il va alors faire l'acquisition d'un programme ultra moderne qui est capable. C'est en fait une intelligence artificielle qui va être capable de recréer les conditions, peut-être d'un amour idéal. Il va se connecter, il achète le truc, il a une espèce de DVD, il rentre. Le programme va lui poser quelques questions. Qu'est-ce que vous aimez comme cinéma? Quel rapport avez-vous avec vos parents? Rien que ça, c'est ce côté très, à mon sens, pour moi, attirant, ça me plairait beaucoup. Et de toute façon, je suis très pro intelligence artificielle. Et dès que ce type de programme sort, je me l'achète, selon les prix évidemment. Mais j'aime bien l'idée de comme ça, un truc qui est propre à chacun finalement. Où vraiment ça va être ce qui est basé sur ce que la personne aime. Et puis l'intelligence artificielle va se mettre en place. Et une jeune femme va lui répondre, elle va se présenter, elle dit, voilà, je m'appelle Samantha. C'est une voix féminine. Samantha est très intelligente, très intuitive. Drôle, enfin bref, elle a toutes les qualités d'une femme, sauf que bien entendu elle est bloquée dans une espèce de mécanisme, une boîte, on ne sait même pas, hein, c'est par ordinateur. Alors évidemment, il peut le mettre sur son PC, il peut le mettre sur son iPhone, donc il peut communiquer avec elle même dans la rue, mais il ne sait pas à quoi elle ressemble, et sans doute qu'elle ne ressemble à rien, hein, très précisément. Mais pourtant, cette amitié, cette relation, va redonner à Théodore de l'espoir et va lui redonner confiance en la vie, et il va même penser et s'épancher en imaginant que c'est peut-être elle son grand amour, que jamais on l'avait aussi bien compris, et que cette communication fait renaître quelque chose qu'il pensait éteint, qu'on appelle tout simplement l'amour. Évidemment, c'est peut-être plus complexe que ça, lorsque c'est simplement une machine, lorsque c'est une machine qui a été programmée, et c'est le véritable danger des intelligences artificielles, c'est d'imaginer jusqu'à quel point elles seront capables d'avoir une conscience qui nous est propre et donc une conscience humaine. On sait très bien que le problème avec les intelligences artificielles actuelles, c'est qu'elles sont capables de reproduire beaucoup de choses qu'on peut faire, de même nous battre par exemple aux échecs, mais néanmoins elles ne sont pas encore vraiment capables de s'adapter à ce qu'on peut penser, de réagir sans qu'elles aient été programmées pour le faire, de montrer une vraie conscience humaine, qu'on puisse avoir une vraie relation d'amitié. Et pourquoi pas plus tard d'amour avec elle. Eh bien, ce film traite de toutes ces technologies qui commencent à arriver. Hein. On a Siri, on a Cortana. Alors, Cortana n'a absolument rien à voir avec Samantha. Hein. La voix peut être agréable, mais elle est quand même bête comme ses pieds pour le moment. Pour l'avoir utilisée quelques fois, je suis complètement déçu de ce type d'intelligence artificielle. Je ne connais pas trop Siri, mais on sait qu'on est précurseur de quelque chose, on sait qu'on est à l'aube de quelque chose. Pour le moment, c'est pas abouti.
Et bien dans ce film IR, on va nous poser la question du jour où ça fonctionnera vraiment bien et où évidemment ça pourrait être peut-être potentiellement aussi très dangereux. Il faut savoir que ce film était dans mon top 10 films 2017. À chaque fois je dis 2016, mais en fait non, c'est 2017. Et qu'il a eu 4 prix et 13 nominations. Et que c'est largement mérité parce que c'est un très beau film. Et je pense que je pourrai donner ma conclusion. Je ne vais pas en parler plus que ça. Il faut absolument vous voyez IR. C'est pas un film. Alors je l'avais montré à un ami qui m'a dit qu'il était intéressé, mais pour le coup, c'est sa compagne qui avait moins aimé, parce que c'est très lent, oui. C'est un film psychologique, lent, cérébral, mélo-romantique. C'est pas un film d'action, on est bien d'accord. Si robot il y a, et d'ailleurs il n'y a pas de robot, hein, c'est juste des intelligences artificielles, c'est un film qui prendra son temps. C'est plutôt un film cérébral et plutôt un film psychologique. Et je vais passer à ma vraie conclusion. Côté Verseau, Palme d'Or 2016, IR et son réalisateur livraient là un film tendre, sensible, mais qui, une fois encore, un peu comme dans Black Mirror, démontre la complexité des sentiments qu'on pourrait changer avec les intelligences artificielles. À noter l'excellence du rôle de Joaquin Phoenix dans le personnage de Timothée. Ce qui est intéressant quand on parle de cinéma autour de soi, et donc comme je fais plus largement sur Internet, c'est que parfois, nous aussi, on nous conseille des films. Et ce film, je ne l'aurais pas vu. A priori, j'étais passé complètement à côté. Il se nomme Le goût des merveilles. Et de quoi ça parle? Eh bien, on est dans la Drôme provençale. Imaginez un peu les grillons qui chantent. Voilà, vous avez toute cette ambiance. Et on va rencontrer Louise, qui est jouée par Virginie Efira. J'arrive jamais à dire son nom. Virginie Efira. Pourtant, c'est pas très complexe. Qui élève seule ses deux enfants et qui tente de préserver comme elle peut l'exploitation familiale que lui a léguée son mari. Alors je crois que son mari est parti ou il est mort, et elle fait comme elle peut. Elle est en entreprise de, je ne sais plus, savon, de produits de lavande, enfin bref. En tout cas, elle a du mal. Elle gère tous ses papiers. C'est complexe, la vie à la fois de femme, la vie de mère, la vie d'entrepreneuse. Et un jour, comme ça, toujours un peu trop rapide sans doute, elle prend sa voiture et elle manque d'écraser un homme. Donc évidemment, elle s'arrête, hein, elle va le voir, et cet homme a un comportement inhabituel. Il a une réaction qu'elle ne comprend pas vraiment. Mais évidemment, il est peut-être sous le choc. Et progressivement, elle va être appelée à le revoir, et elle va comprendre qu'en fait, ce jeune homme, bien que certainement choqué sur le moment, a d'autres complexités, a d'autres problématiques, et qu'il souffre du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Où le champ lexical, je vais dire ça comme ça, n'est pas complètement annihilé. Ce sont des gens qui sont capables de grande intelligence, de grande sensibilité. Néanmoins, c'est comme une forme d'autisme. Et il y a cette complexité. Et ce film montre bien, à mon sens, à la fois le fait que, eh bien, ce jeune homme, dont je n'ai pas le nom pour le coup, est capable de beaucoup de choses, mais qu'en même temps, on ne peut pas tout se permettre de lui donner à faire. Qu'il est capable d'être très gentil, c'est quelqu'un de bon, de généreux, qui va aider les enfants comme il le peut, bien que dans un monde un peu lunaire et à lui, il peut se mettre en colère ou il peut, comme ça, avoir des accès qu'on ne comprend pas parce que lui se sentira agressé, oppressé par quelque chose, et que donc il aura une réaction comme il le peut. Évidemment, avant ça, avant elle, avant sa famille, il vivait avec un homme qui tentait de le protéger, et on comprend que cet homme avait effectivement un rôle très protecteur. Et qu'il pensait qu'il était préférable que peut-être ce jeune homme, dont j'ai pas le nom, c'est un peu pénible sur Allociné, je connais le nom de l'acteur, mais je connais pas le nom du personnage, et bien que de s'ouvrir au monde, c'est bien, mais que ça peut représenter potentiellement aussi une part de danger. Cet acteur, c'est Benjamin Laverne, que j'ai découvert dans ce film et que j'ai retrouvé dans le film avec Jean-Pierre Bacri, qui était aussi dans mon top 10 film 2017, Jour de fête. C'est le dans le, ce film Jour de fête, c'était le marié. C'est le marié qui va s'envoler avec les ballons. Voilà, je vous ai spoilé une partie du film qui est très très drôle. C'est lui. Et on a un vrai acteur derrière ce personnage. Le mec joue vraiment bien. Parce que pour le coup, on peut se poser la question de est-ce qu'il est vraiment autiste, est-ce qu'il ne l'est pas. En tout cas, c'est un beau rôle de composition. C'est un beau film. Et je vais donner ma conclusion.
Côté Verseau, Le Goût des Merveilles est un film tendre, bien écrit, avec une jolie galerie de personnages, mais qui montre malgré tout la difficulté des personnes en situation de handicap. Le prochain film est un genre qu'on retrouve assez peu au cinéma, ou en tout cas fait de façon intelligente et appréciable, puisque ce sont des courts-métrages, donc un film avec des courts-métrages. Dans le fantastique, on a Creepshow, qui était quand même plutôt pas mal. On a Darkseid, des contes de la nuit noire, dont j'ai déjà parlé. On a dans le cinéma un peu thriller, dramatique, Les Nouveaux Sauvages, qui était très bon aussi, un film espagnol, je crois. Et puis là, c'est Paris, je t'aime. Qu'est-ce que c'est que ce film? Eh bien, en fait, c'est un hommage de différents cinéastes de toute nationalité qui vont à leur façon dire à Paris combien ils l'aiment. Alors, ça peut être dans le registre un petit peu fantastique, dans plus le romantisme, la comédie, enfin bref, peu importe. Et d'ailleurs, je ne me rappelle plus vraiment, pour être tout à fait honnête, sauf certains sketchs, si je puis dire. Mais en tout cas, on va retrouver un Paris moderne, un Paris où ça peut être émouvant, drôle, un film plein de vie sur le thème de l'amour et de Paris et de l'amour. Parce que oui, je parlais de Paris, mais c'est aussi, il y a aussi la dimension amoureuse. Je pourrais dire que par exemple, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a priori 17 courts-métrages qu'on a dans les réalisateurs les plus inattendus à ce niveau-là, Gus Van Sant. On a Joël plutôt, et Ethan Coen. On a Alfonso Cuarón. On a Wes Craven, donc le père de Freddy. On a, pour les gens les plus connus, Gérard Depardieu. Enfin voilà, c'est une collection d'artistes de différents pays, de différentes nationalités. Il y a des Français, il y a un petit peu de tout, sur différentes thématiques. Et j'aime bien ce type de, comme j'ai expliqué, de film conceptuel avec des courts-métrages. En plus, ça permet de. C'est des films qui passent bien, parce qu'un film c'est long des fois. Hier j'ai mis un film, peut-être qu'il était très bien, mais au bout de 20 minutes j'en pouvais plus. Les courts-métrages, au bout de 20 minutes, c'est fini. C'est pourquoi j'aimais bien Black Mirror, même si c'est pas un bon exemple, puisque les épisodes de Black Mirror duraient plutôt 1 heure. Mais j'aime bien ce côté un peu. C'est étonnant d'ailleurs, parce que j'aime pas les courts-métrages, mais j'aime bien les films avec des sketchs. Et pourtant, c'est un peu le même format. Sauf que je vais pas les enchaîner. Ça va s'enchaîner directement, et en plus, c'est comme un roman de nouvelles, et j'adorais les nouvelles. Presque plus que les romans, parce qu'on rentrait dans l'univers de quelqu'un, que c'était bref, et que très brièvement et très rapidement, la personne devait nous donner envie de soit détester le personnage, soit de l'aimer. En tout cas, très vite, on passait d'un univers à un autre, et c'était super intéressant. Surtout quand il n'y a pas de thématique, et que finalement, les auteurs viennent s'exprimer comme ça, et partager un peu de leur univers, qui peuvent être fantastiques, qui peuvent être romantiques, qui peuvent être mélodramatiques, qui peuvent être tragiques, qui peuvent être un petit peu toutes les dimensions. Et au fil des pages, on découvre un univers nouveau. Donc j'ai bien aimé ce film, dans le souvenir que j'en ai. Et je vais passer à ma conclusion. Côté Verseau, sur un format inhabituel, Paris je t'aime reste un magnifique plaidoyer pour la ville lumière. Et qui de plus dressera un portrait complet et complexe de la diversité de ses habitants. Le prochain film est Demain tout commence. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Samuel, qui est joué par Omar Sy, qui est un jeune homme qui vit comme ça, sans attache, sans responsabilité. Je crois qu'il travaille au Club Med ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc, beaucoup de filles, beaucoup de soleil, les vacances en permanence. Il aime s'amuser, c'est un bon jouisseur, pourrait-on dire. C'est un bon vivant. Il aime travailler, mais sans trop se fatiguer. Enfin, vous voyez un peu le profil type. De cette personne, jusqu'au jour, une de ses conquêtes, dont il ne se souvient même pas vraiment, vient se présenter à lui et lui dit: voilà, j'ai quelque chose à te présenter, et en l'occurrence, ce quelque chose, c'est ta fille, c'est un bébé de quelques mois qui se nomme Gloria. Donc évidemment, il ne se rappelle pas vraiment de la mère, il se rappelle pas vraiment de cette aventure qu'il a eue. Le problème, c'est que Gloria va lui être laissée et que la mère va partir. Je ne sais pas si elle part comme ça en courant ou si elle va trouver une excuse. Mais en tout cas, le fait est que le personnage de Marcy, Samuel, va se retrouver avec un bébé. Il va devoir trouver ce qu'il peut en faire. Mais c'est malgré tout sa fille. En tout cas, il a le droit de penser que c'est sa fille. Il ne peut pas le vérifier, mais on lui dit que sa fille, c'est une petite métisse, donc c'est probable.
Et lui, qui n'était pas prêt à ça, qui n'a jamais voulu, puisqu'il n'était pas en couple, puisqu'il était comme ça, virevoltant de femme en femme, comme une abeille qui vole de fleur en fleur, quelle belle métaphore, va devoir penser, moi, j'étais pas prêt à être un compagnon, est-ce que je suis prêt à être un père? Et puis en même temps, un bébé, c'est touchant. Il va grandir avec ce bébé, il va apprendre évidemment à l'aimer, il va avoir un échange profond avec sa fille. Et puis progressivement, il va se dire, ma fille, je l'aime, c'est ma fille, je n'ai plus aucune question à me poser. Et alors que les années ont passé, que ça se passe très bien entre Samuel et sa fille, qu'il a fait de sa vie un havre de paix, il a mis des jouets un peu partout, sa maison c'est une gigantesque aire de jeu quelque part, eh bien la mère revient et elle va dire à l'âge de 8 ans, voilà c'est l'élément que je n'avais pas, elle revient et elle dit qu'elle va mieux, parce qu'elle était en forme de semi-dépression, elle va mieux, et donc elle veut reprendre Gloria et repartir avec elle, en tout cas en garde partagée. Mais elle se remanifeste pour dire, voilà, je vais mieux. Maintenant, je vais bien, donc je viens pour reprendre Gloria. Et évidemment, pour Samuel, c'est pas possible, parce qu'il a finalement été le père. Et la mère a mis au monde, certes, elle a connu bébé, mais elle n'a pas connu cet enfant. Lui, il a vécu 8 ans avec elle. Il l'aime profondément, c'est sa fille. Et ça rappelle un peu le texte de Dany Balavoine, ce qui était ma fille, mon combat, enfin quelque chose comme ça. Il peut pas se résoudre à l'idée d'abandonner sa fille, ou même de la laisser en garde à sa mère. Et donc va commencer un combat pour la protection, pour l'amour de sa fille, tout simplement. Côté Verseau, demain tout commence, prouve une fois de plus la qualité du cinéma français. Un cinéma qui est capable parfois de nous faire passer par toute une palette d'émotions. Car certes, si ce film, dans sa première partie, est une comédie agréable et enlevée, la seconde partie sera, elle, beaucoup plus mature et mélancolique. Ouais, mais là, le défi, il est trop grand, quoi. Parler du film Swiss Army Man. C'est un film qui est inclassable, c'est un film qui est complètement iconoclaste, il n'y a aucune autre référence dont on pourrait parler pour ce film, et en même temps, je ne veux pas trop vous en dire. De quoi ça parle? En gros, vraiment en généralisant, ça parle d'un homme qui est sur une île déserte. Il est au bout des réserves, il n'a plus rien à manger, plus rien à boire. Donc il est sur le point de mettre fin à ses jours parce qu'il comprend bien que de toute façon il va mourir d'une faim atroce, d'une faim FIN et d'une faim FAIM. Et puis au moment où il est prêt à passer à l'acte, il voit un homme échouer. Il voit quelqu'un qui est échoué. Donc évidemment, ça le déstabilise, il enlève la corde qu'il était en train de se mettre autour du cou, il va aller le voir et va se créer une amitié avec ce personnage venu nulle part, en tout cas sorti de la mer, une amitié plus qu'inhabituelle. La bande-annonce vous donnera peut-être quelques détails et références à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un inclassable, que ça peut peut-être déranger, j'en sais rien. C'est un côté très comique, mais en même temps, des gens qui seraient très prudes pour être choqués, pour dire non, mais c'est pas possible, ce n'est plus du cinéma. Je connais beaucoup de gens comme ça qui auraient pu aller le voir en salle et qui auraient dit ah non, non, mais qui seraient partis avant la fin, parce que c'est trop lent, what the fuck, c'est trop lent. Et en même temps, ça ne l'est pas réellement. C'est-à-dire que quand même, le réalisateur a fait du bon travail et qu'on comprendra mieux cette espèce d'ovni gigantesque qu'est Swiss Army Man. Il y a des vraies raisons d'être dans ce film. Ce que je pourrais vous dire, c'est, j'en parle très mal, mais il est très difficile de parler de ce film, c'est qu'il, or, je ne voyais pas, mais il est sorti simplement en DVD. Bon, déjà, pour le coup, les gens n'auront pas été voir au cinéma. Peut-être qu'il était trop inclassable, si on dit laisse tomber, on ne pourra pas. Qu'au casting, on a Paul Dano, qu'on a Daniel Radcliffe, donc si je ne me trompe pas, celui qui jouait dans Harry Potter, Marie-Elisabeth Winstead. Qu'il a été noté par les spectateurs 3,8 sur 5, ce qui semble montrer que beaucoup de gens l'ont aimé, et qu'enfin, il a été le gagnant du festival Sundance Festival, donc festival de films indépendants, souvent très différents. Je parle beaucoup du Sundance Festival, généralement des films un peu légers, mais des fois aussi des films un peu plus dramatiques, ou comme ce présent film, des films qu'on ne peut pas classer. La bande-annonce sera en dessous. Je ne vais pas faire de conclusion à ce film. Je ne veux pas vous parler des éléments importants du film. C'est classé dans la comédie dramatique, c'est fantastique à la fois, c'est déjanté, c'est un ovni, ça fait du bien,
à mon cœur de cinéphile, de voir des trucs qui me déstabilisent, des trucs où t'es fatigué, tu dis je pense que je vais dormir devant un film. Puis tu le lances et dès les premières minutes, t'es happé. Tu dis qu'est-ce que c'est que cet univers? Qu'est-ce que c'est que cette proposition cinématographique qu'on est en train de me faire? C'est des films auxquels j'avais donné un nom pendant un temps, c'est des films qui vous prennent comme ça, voilà. Ils vous prennent, ils vous claquent contre le mur, hein. Il n'y a pas de préliminaire, ils vous prennent. Dans les 5 minutes, vous êtes déjà en train de vous faire prendre par un film. Et ça, c'est bon. Hors dehors des allusions auxquelles je peux faire référence, c'est vraiment bon de se faire prendre par un film comme ça, dans les 5 premières minutes. Et très peu de cinéphiles, enfin très peu de réalisateurs plutôt, arrivent à nous donner cette expérience de cinéma. Parfois, il y a des films comme ça, je me dis, voilà. J'ai un autre exemple, Rencontre du troisième type. Dès le début du film, je suis pris, je suis happé. Même les 3 premières minutes me passionnent, et ça va grandissant, et ça m'intéresse de plus en plus. Et rare est le cinéma comme ça, avec une vraie proposition cinématographique, certes déjantée, mais originale. Le film, c'est Swiss Army Man. Je le conseille à tous les gens qui aiment le cinéma typique, l'humour grinçant, le cinéma déjanté, un peu, peut-être aussi un peu à la Quentin Dupieux. En tout cas, les gens qui aiment Quentin Dupieux probablement pourraient aimer ce type de film. Et la bande-annonce sera en dessous. Je ne vais pas faire de conclusion parce que je ne sais pas comment conclure sur ce film. Puis j'en ai relativement parlé quand même. Donc la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est The Truman Show, et il m'est encore plus difficile d'en parler que de Swiss Army Man, parce que je peux très bien développer, mais il faudrait que je spoil la mort. Ça, c'est possible. Là, si je développe, il n'y a pas de problème. Mais si je garde une part de mystère, il faudrait que vous le voyiez comme moi je l'ai vu. Sur le conseil d'une amie, plus jeune, qui me dit, toi qui as une grande culture cinéphile, qui a vu beaucoup de films, tu l'as vu, Truman Show, The Truman Show? Non, je ne l'avais pas vu. C'est quoi? Bah c'est Jim Carrey, ok, bon c'est un acteur que j'aime bien, qui a joué des rôles à la fois déjantés, qui a su jouer des rôles dramatiques, c'est un bon acteur. Ça parle de quoi? Elle me donne un élément que je ne vais pas vous révéler, ok, ça attire ma curiosité, puis je lance le film. Et de quoi ça parle? Pour être un petit peu sommaire quand même, pour vous donner peut-être l'envie de le voir, même si je ne veux pas dénoncer trop de choses ou annoncer trop de choses. Ça parle de Truman Burbank, qui est donc joué par Jim Carrey, qui mène une vie calme et heureuse dans une cité balnéaire où tout est ensoleillé, où tout est beau, où tout semble un peu factice, hein. Avec sa femme. Il semble heureux, enfin voilà, tout va bien. Sauf que progressivement, au fil des jours, parce que la vie semble se répéter inlassablement et qu'elle lui fait penser énormément à un cycle, il va se poser des questions. Est-ce que sa femme l'aime vraiment? Est-ce que son voisin qui lui dit bonjour tous les jours de la même façon, avec le même sourire, est vraiment honnête? Est-ce que tout cet univers qu'il a autour de lui est tel qu'il imagine? Et progressivement, il va sombrer dans une forme de questionnement sur cette vie qui lui semble un peu trop irrationnelle, curieusement. Et si je ne m'arrête pas maintenant, j'en aurais déjà trop dit, donc je vais m'arrêter maintenant et je vais donner ma conclusion. Si vous aimez les comédies déjantées, si vous aimez le bon cinéma, si vous aimez le fantastique, si en plus vous aimez Jim Carrey, eh bien la conclusion, c'est qu'il faut regarder ce film tout simplement. Il faut le lancer, il ne faut pas vous poser de questions, il ne faut même pas regarder la bande-annonce. Vous aurez cet univers-là, comédie, dramatique, un côté dramatique, un côté que je ne dévoilerai pas, et puis simplement profiter de l'œuvre, tout simplement. Lancez le film et regardez-le. Pour moi, c'est 10 sur 10. Dans son genre, oui, après réflexion, il mérite 10 sur 10. C'est The Truman Show et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Divine, et pour le coup, on quitte complètement l'univers fantasque et fantasmagorique et fantastique de The Truman Show et de Swiss Army Man, puisque là, on va être dans une cité sensible, dans un ghetto, où il n'y a pas grand-chose à faire, où la plupart des jeunes sont en galère, ils ne travaillent pas, où beaucoup ont arrêté l'école trop tôt. Donc il y a du deal, il y a de la délinquance, il y a de la violence, il y a de la répression, il y a tout ce climat.
Et puis on va rencontrer John Fix, un homme d'Unia, qui a 16 ou 17 ans, et qui elle aussi aura envie de s'émanciper de ce système et de pouvoir vivre malgré tout, par la débrouille, par le système D, évidemment par la délinquance, par la petite délinquance. Et donc avec son amie, Belmouna, sa meilleure amie, ils vont décider de se rapprocher d'une jeune fille qui s'appelle Rebecca, qui est une dealeuse. C'est une, je ne sais pas si c'est vraiment les quartiers, mais là c'est une fille qui deal. C'est une chef en fait de bande. Et voilà, avec cette jeune femme, ils vont faire des business, ils vont continuer, ils vont grandir un peu comme des gangsters quelque part, grandir un peu dans l'imagerie masculine, ils vont gagner un peu plus d'importance, encore que, on comprendra des moments quand on dira « vous n'êtes que des femmes, et on va vous remettre à votre place de femme ». Mais Dunia aussi est une jeune fille, et peut-être qu'à des moments secrets, elle rêve d'autre chose. On peut le découvrir dans les textes de Diams à l'époque, où elle montrait une grande sensibilité, notamment les morceaux au piano, où elle parlait d'une jeune fille qui rêvait simplement d'une vie très simple, et pourquoi pas avec un homme aimant. Enfin voilà, tout très classique, très basique, qu'elle pensait qu'elle ne pourrait jamais atteindre, mais il y avait quand même ça dans les rêves. Et un jour, elle va rencontrer, alors je ne sais pas comment on le dit, Jiggy, qui est un jeune danseur. C'est un mec de cité lui aussi, hein, il habite dans la même cité. Elle ne le savait pas, il fait de la danse classique. Évidemment, on va dire ce premier rapport qui va être moqueur, elle va avoir envie de se moquer de lui, elle va avoir envie de... Alors comme ça, des scènes, j'aurais dû de le troller quelque part, en quelque sorte, de dire « Ah vas-y, le mec, il est masculin, il est en tutu, enfin voilà, t'as l'air ridicule. » Puis en même temps, c'est un univers qu'elle connaît pas, et elle va, en quelque sorte, se passionner pour ce jeune homme. Et cette rencontre va bouleverser des choses en elle, et je pense qu'on peut parler simplement de sa part féminine, de sa vraie part de sensualité, de sa vraie part de femme qui a envie de se dépareiller de la colère, qui va découvrir le sublime, d'où peut-être le titre du film Divine. Mais attention, parce que ce film n'est vraiment pas réservé à tous les publics, d'ailleurs il est interdit aux moins de 12 ans, c'est très très légitime, il y a des scènes de violence, clairement c'est un film dur, dur dans son expression la plus primaire, j'ai envie de dire, au propre comme au figuré, il est dur. Néanmoins, lorsqu'on va jusqu'au bout de l'œuvre, on est transcendé. Néanmoins, lorsqu'on prend le parti pris de se dire « je vais quand même le regarder malgré la violence », ce qu'on fait des personnes de mon entourage qui n'aiment pas du tout ce type de cinéma, mais où j'ai dit « attention, chef-d'œuvre, attention, truc, voilà, bouleversant », après avoir été au bout, certainement d'une grande souffrance à baisser les yeux parfois, eh bien, le retour qui m'était donné, c'est « waouh, quel film ». Ça m'a fait penser à telle ou telle situation, ça m'a fait, oui. Parce qu'on se retrouve, parce qu'on se dit que c'est possible, parce que, voilà, parce que ça existe, ce quotidien, parce que le tout, l'ensemble. Évidemment, ce film a été multiplement récompensé. Et je vais parler un petit peu des récompenses qu'il a eues pour vous montrer que, quand même, c'est un film qui a eu son importance, d'ailleurs. Il était dans mon top 10 films 2017. Je vous parlais donc des récompenses qu'il a eues. Eh bien, on peut noter le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Deborah Lukumuena. Bon, je ne sais pas comment on le dit, désolé. Le César du meilleur jeune espoir féminin pour Oulaya Amamra. Le César de la meilleure première œuvre pour Ouda Benyamina. Le César du meilleur film français de l'année pour Ed Ouda Benyamina. Le César du meilleur réalisateur pour Ouda Benyamina. Le César du meilleur montage pour Vincent Tricon et Loïc Lallemand. Et enfin, le César du meilleur scénario original pour Malik Rumeau, Ouya Benyamina et Romain Comparit. Bon, je sais, ben, voilà. Je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, vous voyez que le film a été multiplement récompensé et il le mérite. Et je vais passer à ma conclusion si j'arrive à en donner une à ce film. Chaque année, il y a comme ça des films coup de poing. Des films sensitifs, tout autant que sensoriels. En l'année 2018, c'était Jusqu'à la garde, qui est venu nous bousculer dans l'habitude de cinéphile. Et en cette année 2016, c'était Divine, qui venait révéler et réveiller le cinéma par une claque réaliste très dure, mais néanmoins nécessaire.